8 délégations et une soixantaine de lutteurs se sont affrontés lors des championnats d'Europe de lutte celtique à Ploufragan. Vous pouviez observer les équipes d'Angleterre, d'Autriche, d'Écosse et d'Espagne, présentes avec les Canaries, la Cantabrie et Léon, qui remettaient son titre en jeu chez les féminines, sans oublier bien sûr la Bretagne, tenant du titre en espoir. Deux luttes traditionnelles sont à l'honneur de ces championnats. Pour être champion d'Europe, il fallait donc avoir les meilleurs résultats possibles en Gouren et en Bakold. Il y aura un embrasseau. Vous pouvez procéder à la collade. Le Bakold, c'est la lutte écossaise, une lutte de garde, c'est-à-dire avec un point de départ imposé, les mains serrées contre l'adversaire dans le dos et le menton posé sur l'épaule. Et donc, on doit démarrer dans cette position-là et faire chuter son adversaire. Donc, dès qu'une autre partie du corps est tombée au sol, il y a un tombé. Et donc, au bout de trois manches gagnantes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 3-0, 3-1, 3-2, et le gagnant à trois manches sera le vainqueur du combat. En lutte bretonne, c'est un peu différent. Il y a un résultat à obtenir, c'est chute sur les omoplates. Donc les deux en même temps, il faut que ce soit quelque chose d'assez technique et accompagné. Donc les deux épaules au sol en même temps, c'est le lamb. C'est le but en or, on va dire, ça arrête le combat avec victoire de la personne qui a réussi à faire tomber son adversaire sur les omoplates. Autrement, souvent, ça tourne un petit peu, donc c'est plutôt une omoplate qui a touché. Là, c'est un costin, c'est-à-dire un point. Et il y a victoire au bout de 5 minutes. Par contre, souvent quand même, vu l'engagement du combat, il y a des bas du dos qui seraient des canes. Donc qui va emmener, s'il n'y a eu aucune prise avec un résultat abouti, qui va aboutir à des prolongations de 2 minutes 30, la moitié du temps initial. Et après, il y aura une divise, une décision des arbitres pour départager les adversaires. Il y a toujours un vainqueur. Gwenaël Flou était le seul costard mauricain de l'équipe. Il a eu le privilège d'ouvrir la compétition avec du Gouren en moins 90 kilos. Il y a 2 ans, à Tenerife, aux îles Canaries, j'avais fait dernier en Gouren et 3e en Bakold. Là, j'ai refait 3e en Bakold, mais j'ai fait 2e en Gouren. Donc voilà, donc c'est pas mal. Et là donc, je pense que ça m'a motivé d'être à domicile, d'avoir tout le monde qui nous supporte comme ça. Puis d'avoir 2 ans pour mûrir aussi. Au terme de la première journée, les Bretons sont allés 7 fois en finale, mais seul Gurven Saloun a réussi à s'imposer en Bakold. J'ai la chance d'avoir pu faire depuis 3 années des tournois en Angleterre et en Écosse. Donc du coup, le style Bakold, on le maîtrise de plus en plus en Bretagne. Nos coachs travaillent dessus. Donc oui, à mon avis, c'est normal que des Bretons aient des performances comme ça au Bakold, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années. Rebelote le lendemain en Gouren, Gurven s'impose en finale et se retrouve donc logiquement champion d'Europe des moins 68 kilos. Je suis content, notamment plus qu'il y a 2 ans, j'ai fait un championnat d'Europe Espoir aux Canaries, où je finis 4e en Bakold, 2e en Gouren. Et donc là, c'est une bonne revanche sur ces résultats-là de finir premier. Donc je suis assez fier et puis fier des résultats de ceux de mon équipe parce que tout le monde s'est donné à 100%, tout le monde a donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc satisfaction personnelle et collective. Ouais. Et la satisfaction personnelle, elle est due à la satisfaction collective. Sans l'effet de groupe qu'on a dans notre équipe bretonne, les résultats ne seraient pas aussi florissants, quoi. Ce jour-là, les Bretons vont 6 fois en finale. Ils en gagnent 2. La seconde étant également en Gouren avec Erwan Tassel. Pour une première fois, c'est super. Déjà, une ambiance pareille, des gens si chaleureux qui te poussent à bout pour gagner, c'est magnifique. Plus tout cet échange avec les étrangers, c'est sympa. Et c'est un week-end qu'on n'oubliera jamais. Voilà. Pour une première de finale. Ouais, voilà. Hier, je suis arrivé 2e, je suis perdu en finale. Bon, aujourd'hui, je me rattrape en étant 1er champion d'Europe avec mon cousin, donc ça le fait. Canarias.
Au terme de ces championnats, les Canaries remportent les deux titres par équipe. La Bretagne termine de son côté seconde avec les Espoirs qui remportent la compétition en Gouraine. Les féminines sont troisièmes. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'enthousiasme des gens, non seulement des lutteurs, mais des gens qui sont venus les soutenir, nombreux. J'ai été aussi très impressionné par le courage et la loyauté, les deux allant ensemble, des lutteurs. Le bouclier que nous avions part aux Canaries, comme est parti il y a un an le trophée masculin. C'est clair que nous retournons déjà chercher le trophée masculin dans un an aux Canaries pour les hommes et que nous ne savons pas encore où sera la prochaine session espoir, mais il y aura une équipe de Bretagne motivée. On ira sur leur terre et ça sera pour gagner de nouveau, c'est sûr. C'était une équipe jeune, elle a appris des choses, donc voilà, la prochaine fois ça servira, c'est sûr.